Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo haul de chez Action et autant vous dire que j'ai craqué sur des choses super sympas que j'ai hâte de vous montrer, donc écoutez, c'est parti! C'est un petit peu un haul anniversaire en même temps car j'ai eu des petites surprises par une amie qui se reconnaîtra et d'ailleurs vous allez les voir juste après également, mais avant de commencer n'hésitez pas à liker et partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications. Mon premier achat, c'est un kit slime. Donc ça faisait super longtemps que je n'en avais pas vu chez Action et quand j'en ai vu, il fallait que je le prenne. C'est un kit slime parfumé à l'orange. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas du tout s'il est bien ou pas. Nous allons le tester très prochainement en vidéo et franchement, ça a l'air assez complet. Je pense que ça va être pas mal. Donc voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai vraiment hâte de tester et de voir si ça sent vraiment l'orange. Donc ça m'a coûté 2,59 €. Donc pour un kit slime, je trouve que ça va, c'est vraiment pas cher. Maintenant, à voir s'il vaut le coup. Je n'ai pas vu d'autres couleurs ou d'autres parfums de slime. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, dans votre action, vous avez vu ces kits slime et s'il y en avait d'autres sortes. Moi, il devait y avoir une dizaine de boîtes et sur la dizaine, il n'y avait que orange. Alors, en petit cadeau d'anniversaire qui m'a fait super plaisir, j'ai eu un petit set comme ceci à pinceau à maquillage. Il y a 10 pièces à l'intérieur. Écoutez, on va l'ouvrir et le regarder de plus près. Je ne sais pas du tout son prix, c'est un cadeau et franchement, je crois que je ne l'avais jamais vu chez Action. Donc, on va quand même le découvrir, mais pour le prix, j'en suis vraiment désolée, je ne pourrais pas vous aider. Allez, c'est parti, nous allons découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai tout simplement coupé les deux scotchs qui bloquaient de chaque côté. Franchement, j'adore le couvercle avec ce côté rose gold et noir. Je trouve ça trop trop beau ces deux couleurs-là ensemble. Et d'ailleurs, on les retrouve sur les pinceaux avec la petite écriture en doré. C'est juste super beau. Allez, c'est parti. Franchement, ils ont l'air trop quali. J'ai hâte de les tester. J'aime beaucoup. Regardez, on retrouve bien ce rose gold, trop trop beau. Ce noir ici qui est plus mat. Et la petite touche de doré, plutôt sympa. On va pas trop s'attarder sur tous les pinceaux, je vais quand même vous les montrer rapidement. J'ai du mal à les sortir, je ne les remettrai pas. Hein. Je vais les ranger directement. Waouh, il y en a un qui a chuté. Je vais les ranger directement dans ma trousse. En vrai, ils ont l'air vraiment quali. Hein. J'aime beaucoup. On va essayer de tous les sortir. Donc voilà les autres pinceaux. Donc on a le pinceau pour estomper, le pinceau pour. Le pli de l'œil aussi et tout. Enfin bref, c'est vraiment très complet. Ils sont vraiment super sympas. Maintenant, à voir comment ils sont niveau quali. Je les testerai, je vous en reparlerai sûrement. Hop. Ensuite, on avait également celui-ci. On a aussi les petites éponges. Super sympa. Donc ça tombe bien, il fallait que j'en rachète. Elles ont l'air d'assez bonne qualité, je trouve. Après, voilà, je ne les ai pas encore testées. Mais elles ont l'air plutôt sympas. J'ai trouvé un mini kit assez sympa pour Halloween. C'est une seringue avec du faux sang à l'intérieur et tout un tube en fait avec du faux sang. Bon, il me paraît un petit peu clair comme ça, vu à la lumière. Chez Action, il me paraissait plus foncé, mais bon. Ce n'est pas grave. En fait, je testerai le faux sang dans un slime car vous avez été très nombreux à me demander un slime Halloween et je me suis dit pourquoi pas avec du faux sang, ça pourrait être cool et on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que comme il est clair, je ne sais pas du tout si ça va bien rendre. On verra. À tester. Donc ce petit kit m'a coûté 1,69 €. Ensuite, j'ai trouvé des petites pastels métalliques et franchement, j'avais trop envie de tester. Elles ont l'air super jolies. Je vais ouvrir la boîte pour vous montrer ça de plus près. Au niveau des couleurs. Ah, il y en a une qui est partie. Hop. Regardez-moi ces couleurs métalliques, franchement. Waouh, ça ressort trop trop bien. J'espère vraiment que ça va bien rendre sur un dessin et tout. J'avais trop envie de tester, mais c'est vrai que waouh, je suis trop fan.
Franchement, ce bleu est super beau. J'aime trop. C'est ma couleur préférée sur toutes les couleurs qu'il y a ici. Waouh! Donc, ce petit kit de pastel n'a coûté que 99 centimes. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu tester. Je me suis dit, si ça se trouve, il y aura une bonne qualité. Surtout que le prix, franchement, n'est vraiment pas cher. Donc, pourquoi pas tester? Ensuite, pour tester mon slime sans colle, vous savez que toutes les semaines, je fais des slimes sans colle avec du sel ou du sucre. Je teste des shampoings, des gels douche, des liquides vaisselle et des savons pour les mains liquides. Et là, cette semaine, j'ai trouvé deux shampoings de chez Action, mais dont un que vous pouvez trouver un petit peu partout en grande surface, le Pantene. Vous me l'avez demandé énormément en commentaire. Et comme j'étais chez Action, je me suis dit que j'allais essayer un autre de chez Action. Et c'est celui-ci, le Sun Silk. Je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça. Mais voilà, je l'ai trouvé. C'est la première fois que je voyais cette marque. Ou alors je ne faisais pas attention. Je me suis dit, pourquoi pas tester ces deux-là. Donc je mélange tout simplement le shampoing avec du sel que je mets au congélateur. Et ensuite, on voit si ça nous forme un slime. De temps en temps, ça fonctionne. Mais celui qui fonctionne le plus souvent, c'est celui avec le sucre. Les slimes avec le sucre fonctionnent à peu près à 70%, donc j'espère que là au moins un des deux va fonctionner. J'ai vraiment hâte de tester, vous verrez ça dans la semaine. Voilà, en espérant que celui que vous m'avez demandé tant de fois, donc le Pantene, franchement, je l'ai eu tellement de fois en commentaire, j'espère vraiment pour vous qu'il fonctionne. On verra. Donc les deux shampoings sont exactement au même prix, je les ai payés 1,79€ chacun. Ensuite, pour ceux qui suivent assez régulièrement mes vidéos haul de chez Action, vous savez que je suis assez fan des washi tape, je m'en sers régulièrement. Et là, j'ai retrouvé des couleurs super sympas, dont ma couleur préférée, le bleu. Donc là, ils en vendaient 5 pour 99 centimes. Et regardez-moi ces couleurs. Franchement, les 5 vont trop bien ensemble. On a deux argentés et trois bleus. Le argenté, là, celui-ci, franchement, est magnifique. Les bleus sont tous très très beaux. Celui-ci avec son effet vague là. C'était mon préféré. J'aime beaucoup. Franchement, 99 centimes, c'est vraiment pas cher en sachant qu'ils sont quasiment tous de bonne qualité. J'ai vraiment quasiment jamais été déçue par les washi tape de chez Action. Ensuite, des washi tape totalement différents sur des teintes rose et rouge. C'est ceux-là. Je les ai trouvés assez gourmands, assez marrants. Ça change un petit peu. Et ceux-là m'ont coûté 89 centimes. J'aime beaucoup celui avec les donuts ici. Ensuite, je vais vous montrer mon deuxième cadeau et franchement, je suis super fan. Donc, c'est une palette à maquillage que je trouve déjà vue comme ça super jolie, qui fait penser un petit peu à la mer. D'ailleurs, vous allez comprendre un petit peu avec les couleurs qui sont derrière ici. C'est des couleurs un petit peu mer et terre et franchement, je les trouve trop trop belles. Donc c'est parti, je vais vous montrer à l'intérieur comment ça se présente. Donc là, on a le miroir et ici, on a toutes les couleurs super jolies. Je suis trop trop fan. Et comme vous pouvez le voir, on a des couleurs où il y a deux couleurs à l'intérieur. Et je suis très fan de ce bleu ici avec des petites teintes un petit peu dorées, foncées. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi ce argenté et bleu clair. Super joli. Elles sont toutes très très belles, hein. Je suis vraiment fan. Donc j'en avais déjà eu une de ce genre qui est vraiment super sympa, mais je m'en sers assez régulièrement. Donc je vais vous montrer vite fait celle que j'avais avant, dont je me servais, celle-ci. Et franchement, c'est assez quali, la qualité est plutôt top. Et vous allez voir que je m'en suis quand même pas mal servie. Donc voilà ce qu'il me reste sur mes couleurs. Les couleurs sont également super sympas. Donc si vous les voyez, je vous les recommande à 100%. Je vous avais dit que je vous en reparlerai. Eh bien écoutez, c'était le moment d'en reparler. Je ne sais pas du tout si c'était le même prix que celle-ci, mais celle-ci, je l'avais eue pour 4,90€ ou 95. Donc si celle-ci est au même prix, franchement, je vous les recommande. C'est vraiment pas cher. Et en plus, comme je vous ai dit, la qualité est plutôt pas mal pour le prix. Ensuite, mon dernier achat de chez Action, un achat que j'ai fait spécialement pour la chaîne, un test de nouveaux slimes. Et franchement, ceux-là, je ne les avais jamais vus.
et ils ont l'air trop trop cute. Donc regardez, on a une petite licorne au-dessus et à l'intérieur il y a plein de slime. Si je ne me trompe pas, c'est bien du slime et j'en ai acheté 4. Les 4 licornes sont totalement différentes. Les slimes différents sont un petit peu différents à chaque fois, même si beaucoup se ressemblent. Et ça, j'ai trop envie de les tester en vidéo et de voir franchement ce que ça vaut. En tous les cas, il ne coûtait vraiment pas cher pour ce que c'est, 99 centimes unité. Moi, j'ai trouvé que 4 différentes. Je ne sais pas s'il en existe d'autres. S'il en existe d'autres, comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour me le dire. Donc voilà, mon haul de chez Action est terminé. Dites-moi en commentaire votre achat préféré. Franchement, moi, j'ai beaucoup adoré mes deux cadeaux. Et j'aime beaucoup ces petits slimes avec les licornes. J'ai hâte de tester. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!